2017 s'est achevé, marquant ici la moitié du mandat confié par les Cérestins à l'équipe municipale. Que de choses réalisées ces dernières années, que de chemins parcourus. Et pourtant, Cérestes reste fidèle à son image. Un village paisible, au pied des collines verdoyantes du massif de la Marcouline. Riche d'un passé ancestral et d'un patrimoine de valeur, un village où la qualité de vie n'est pas qu'un vain mot, mais une réalité au quotidien. Nouveaux équipements, aménagements structurants, décisions fortes, mais aussi, il faut bien le reconnaître, de réelles contraintes et une complexité considérable pour faire aboutir cette volonté. Voilà ce qu'est le bilan de l'action menée ces dernières années et en particulier pendant celle qui vient de s'écouler. 2018 sera également une année marquante en termes de réalisation et d'aménagement. En gardant toujours à l'esprit ce qui fait notre valeur ajoutée, la préservation de ce qui constitue notre identité. 2017, l'année des grands équipements. Hôtel de ville, pôle sécurité, CCAS, centre technique municipal, vallon de la Chilière. Toutes ces réalisations ont vu le jour ces 12 derniers mois. Autant dire que les élus et services municipaux n'ont pas ménagé leur peine pour contribuer au bien-être des Cérestins. Toutes ces opérations ont pu voir le jour grâce au précieux soutien financier du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidé par Madame Martine Vassal. L'hôtel de ville, notre maison commune, a donc été entièrement rénové. Mise en lumière et valorisation des éléments de notre patrimoine, modernisation et accessibilité des services proposés au public, voilà ce qu'ont été les deux axes de cette rénovation d'ampleur, dont chacun s'accorde à dire qu'elle est une réussite. Nous avons inauguré l'hôtel de ville rénové en juin dernier. C'est tellement un élément de notre quotidien que nous avons déjà oublié le chemin parcouru. Et pourtant, tout en préservant la valeur de l'ancien, nous avons su, avec notre architecte, apporter une vraie touche de modernité. Et c'est, je crois, vraiment une fierté pour tout le village. Le même jour a été inauguré le pôle sécurité, en lieu et place de l'ancienne caserne de pompiers. Il s'agissait simplement de donner de réels moyens à notre police municipale et aux forces de gendarmerie nationale, marquant ainsi le souci permanent de la commune en matière de sécurité publique. Car notre tranquillité n'est pas le fruit du hasard, mais bien celui d'un travail et d'une volonté. Le troisième équipement inauguré ce jour de juin 2017 incarne l'attachement municipal à aider ceux qui en ont le plus besoin, les plus faibles de par leur situation sociale ou leur âge. Le CCAS dispose désormais d'un lieu d'accueil accessible, conjuguant respect et confidentialité. Il fallait doter notre commune d'un centre technique municipal digne de ce nom, afin de permettre aux agents qui sont au service des Cérestins d'évoluer dans les meilleures conditions. Situé dans les anciens locaux de la société Transexim, le projet a été redimensionné pour convenir au mieux aux stricts besoins de la commune. Ni plus ni moins. Enfin, à la fin de l'été, a été inauguré le parc du Vallon de la Chilière, un lieu de promenade et de loisirs pour les familles cérestaines, qui peuvent désormais découvrir cet élément notable de notre patrimoine naturel. Anciennement la plus grande forêt de cyprès d'Europe, plantée pour la fabrication des mâts de bateaux, ce vallon, longtemps abandonné, revêt désormais ses plus beaux atouts, pour le plaisir des petits comme des anciens. « 2017, une année pour l'enfance. » «2017 aura été une année majeure pour nos plus petits. » Le centre de loisirs, inauguré en 2016, a pris sa vitesse de croisière, accueillant au passage les activités quotidiennes d'une école de musique. La rentrée scolaire a été marquée par le retour tant attendu à la semaine des 4 jours, conformément aux attentes des parents d'élèves et des enseignants. Mais les activités financées par la commune n'ont pas pour autant faibli, que ce soit pour le temps scolaire, avec des activités tournées vers l'environnement, ou pendant la pause intercantine, avec des connotations plus culturelles.
L'école élémentaire s'est vue dotée d'une ombrière qui protège désormais les enfants du soleil comme de la pluie. Et bien sûr, chantier phare de ce mandat, les travaux du groupe scolaire ont débuté. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. 2017, un festival de manifestations. Notre village tient aussi son identité aux manifestations qui jalonnent la vie des Cérestins. Comme chaque année, la cérémonie de ce soir marque le départ de la nouvelle année et souhaite saluer tous ceux qui contribuent à la vie de la commune. Au premier rang desquels se trouvent nos nombreuses et dynamiques associations, que nous retrouvons chaque année lors du forum organisé à la rentrée. Qu'il s'agisse de la Saint-Blaise, du carnaval vénitien, de la chasse aux œufs de Pâques, du trail, de Cérestins en fête, des Cérestines. Toutes ces manifestations désormais ancrées dans nos traditions jalonnent les années qui s'écoulent. 2017 aura également vu naître de nouvelles manifestations, venues enrichir un programme déjà riche. Le marché potier a permis de découvrir des trésors de l'artisanat. Un concert lyrique de grande qualité nous a été offert par le conseil départemental. Une superbe soirée a été consacrée à Barbara. Les chants de Noël du département ont enchanté le public. Un feu d'artifice a conclu l'année à l'occasion du lancement des illuminations de Noël. Et enfin, nous avons eu la joie de féliciter notre petite Cérestaine, Angelina, pour son triomphe lors de l'émission The Voice Kid. ...2017 aura donc été une année trépidante, riche, forte et dense. Parlons maintenant des 12 mois qui vous attendent. Quelle action pour 2018 ? Parlons-nous franchement, 2018 et les années à venir seront marquées par un contexte difficile pour les communes. S'il est clair que nous bénéficions d'une situation financière saine, il n'en est pas moins vrai que les contraintes qui pèsent lourdement sur les communes rendent l'exercice délicat. Baisse constante des dotations de l'État, augmentation tout aussi constante des charges dévolues aux collectivités territoriales, voilà l'équation difficile que l'équipe municipale doit résoudre. Faire plus avec moins. Vous le savez, la loi nous met en demeure de réaliser des logements sociaux. Plusieurs centaines de Cérestins en ont d'ailleurs fait la demande. Dans ce dossier comme dans d'autres, la commune veille à préserver les intérêts de ses habitants. Si nous ne réalisons pas aujourd'hui quelques logements sociaux de qualité, l'État sera demain en droit de prendre la main et de les construire d'autorité, sans que la commune n'ait son mot à dire, comme cela s'est produit récemment dans le Var. Ce n'est pas une simple menace, mais un véritable enjeu. De même, dans le cadre de l'élaboration du futur plan d'urbanisme intercommunal, en bonne intelligence avec la métropole compétente en matière d'urbanisme, l'équipe municipale veille à la préservation de ce qui fait notre qualité de vie. Organisation extrêmement maîtrisée, développement limité, construction à taille humaine, mais aussi entretien de notre patrimoine naturel et développement de l'activité agricole. Voilà quels sont les axes du Cérestes de demain qui se dessinent dès aujourd'hui. En termes d'équipement et d'aménagement, deux dossiers aboutiront en 2018 et un troisième se verra amorcé. Le futur groupe scolaire, en cours de construction, sera livré pour la prochaine rentrée scolaire. Les enfants scolarisés bénéficieront donc dans quelques mois des meilleures conditions d'évolution. Que ce soit dans cette nouvelle structure ou dans les écoles existantes, alors sensiblement moins chargées. Il en allait du confort des enfants, mais aussi de leur sécurité. Composé de trois bâtiments construits en ossature bois, le nouveau groupe scolaire accueillera maternelle et élémentaire selon une carte scolaire définie en collaboration avec l'Éducation nationale. Un parking sera réalisé à proximité par la métropole avant la fin de l'année 2018,
garantissant ainsi confort et sécurité pour les enfants et leurs parents. Doté d'un plateau d'évolution sportif, d'un restaurant scolaire, de préau ombragé et d'un jardin potager pédagogique, ce nouvel équipement, parfaitement intégré dans son environnement, sera incontestablement la réalisation majeure de ces dernières années. Second projet aboutissant en 2018, la rénovation des abords de l'hôtel de ville. Réalisé en quasi-totalité par la métropole Aix-Marseille-Provence, présidée par M. Jean-Claude Gaudin, ces travaux achèvent la métamorphose du centre ancien, entamé depuis maintenant plusieurs années. Ces travaux, nous n'aurions pas pu les réaliser sans la métropole. Alors reconnaissons que, sur ce point, l'intercommunalité est un réel avantage pour une petite commune comme la nôtre. Espace pavé. Trottoir conforme à la réglementation et à la sécurité des piétons. Place mise en valeur. Éclairage performant. Ce chantier, difficile à supporter au quotidien, était le prix à payer pour que les habitants et les commerçants puissent demain bénéficier d'un cadre de vie à la hauteur de leurs ambitions. Les travaux s'achèveront au printemps et nous pourrons tous alors saluer la qualité du travail entrepris. Un troisième dossier sera engagé en 2018, la rénovation du stade. Comment parler d'ailleurs de simple rénovation ? Nous passerons en effet d'un terrain en stabilisé, malaisé et trop peu fréquenté, à un véritable stade pelousé en synthétique. Sécurisé et doté de vestiaires refaits à neuf, permettant ainsi la pratique du rugby, du football et même de l'athlétisme. Entamés fin 2018, ces travaux seront livrés au beau jour du printemps 2019, conformément aux engagements pris en 2014 par l'équipe municipale. Plus que des simples paroles, des actes. Les années s'enchaînent et le rythme de travail de l'équipe municipale ne faiblit pas. Bien au contraire. Ce travail, cette disponibilité, cette volonté ne serait pas possible sans la participation de tous. Cérestins, associations, agents et élus municipaux. Tous ces moments passés ensemble, tous ces échanges constructifs, toute cette bonne volonté sont autant d'éléments fondateurs et garants de notre identité, du bien-vivre qui nous caractérise. Préservation de notre environnement, sécurité, loisirs, aménagement urbain constituent certes les grands axes de l'action communale, mais le but est unique, vous satisfaire. Être Cérestin, pour nous, comme pour vous, cela veut dire quelque chose. Cérest est notre village, préservons-le, préservons-nous. En ce début d'année 2018, le maire de Cérest, Patrick Guigonetto, et l'ensemble des élus du conseil municipal vous présentent leurs vœux les plus sincères. Que la vie soit toujours aussi douce à Cérest.